Welcome on board. My name is Gunnar Silverberg Utgård, and I'm the captain on the Swedish ship Göteborg, and a long-time friend of the city of Brest. Bienvenue, Tonnerres de Brest. 2012. Thank you. Bonsoir, et comme vient de nous le souhaiter son commandant, bienvenue à bord du Göteborg, magnifique réplique d'un navire marchand suédois du 18e siècle. Merveilleuse machine à remonter le temps, amarrée au cœur des Tonnerres de Brest, histoire de nous faire vivre, de vous faire vivre au mieux cet événement estival, car il fait beau ici à Brest. Illustre bateau, je vous le disais, ce Göteborg. Il a coulé pourtant en 1745, à quelques encablures seulement de son port d'attache suédois, la ville de Göteborg, après des mois et des mois de campagne sur les mers du globe. Tout de suite, un petit coup d'œil sur notre dispositif, sur ce que l'on appellera ce soir notre plan de bataille, pour vous faire partager ce grand moment de fête que sont les Tonnerres de Brest. Alors on rejoint tout de suite sur l'eau Sylvie Denis, parce que c'est sur l'eau que l'on va vivre le spectacle, Sylvie. Bonsoir Laurent. Bah oui, comme vous, j'ai choisi la meilleure place possible quand on est au Tonnerres de Brest, à savoir sur un bateau et sur l'eau. Et c'est pas pour dire, mais moi, mon bateau, il est sur l'eau et il avance, il navigue, Laurent. Mais on aura l'occasion de se livrer d'autres petites piques et d'autres petites batailles, parce que c'était effectivement ce qu'on faisait quand on était sur ces bateaux, ces répliques du 18e. Nous, on est sur un trois-mâts qui s'appelle l'Étoile du Roi. Il est magnifique, c'est somptueux alentour. On va parler du bateau, on parlera des fêtes qui se déroulent tout autour de ces bateaux. Et puis, on vous réserve une petite surprise. Tout ça, bien sûr, en naviguant, parce qu'on est à Brest même et qu'on est sur la Pinfel. Regardez, moi, je suis fin prête. Alors, Sylvie est sur l'eau. On la rejoindra tout au long de cette soirée. Mais Gervan Musset, lui, est à terre, a priori, pour nous faire partager quelques rencontres, non ? Moussaillon, vous cherchez à me vexer sur ou pas ? Pardon. Regardez, vous me surprenez en plein piquage de fraises. Parce que figurez-vous que la fraise, c'est bien entendu Plougastel, bien évidemment. Et justement, Brest 2012, les Tonnerres de Brest, c'est bien évidemment les gros bateaux. Mais pas seulement, regardez mes amis, on n'est pas bien là. Donc, figurez-vous qu'ici, on est un peu sur le bateau des potes, le bateau des copains, un coquillier de la rade de Brest, le général Leclerc, construit en 1948. On va retrouver son patron tout à l'heure. Pour l'instant, laissez-moi finir ma fraise, s'il vous plaît. Eh oui, à chaque édition, une nouvelle étoile, un nouveau symbole, un nouvel invité, un nouveau pays, une nouvelle gueule, j'allais dire, avec des bateaux comme le Göteborg, avec ses 1900 mètres carrés de toile. Peut-être que bientôt, ce sera au tour de l'Hermione aussi de venir tremper sa quille ici, dans la Pinfeld et dans la rade de Brest. En tous les cas, s'il y a un bateau qui est connu ici et qui symbolise un peu Brest, c'est l'ange gardien du Finistère, le remorqueur, l'abbaye Bourbon, dont le commandant est avec nous. Charles Claden, bonsoir. Bonsoir. Et c'est vous qui avez donné le coup d'envoi vendredi dernier de ces fêtes. Ça a dû être un moment étonnant, un moment d'émotion, non ? Ouais, c'est toujours une émotion parce qu'on sait le travail qui est réalisé en amont par tout le monde. Et puis c'est ce moment où tout le monde, avec ce coup de canon, ce coup de corne de brume, on sent toute la pression qui se relâche. Et ce que je dis toujours, c'est que d'un seul coup, tous les terriens deviennent marins. Et après, on est là pour faire la fête. Vous avez raison, Charles. Vous parlez des gens de mer, en fait. Parce que nous, on parle beaucoup des bateaux, parce que ce sont les images qui nous plaisent, qui nous donnent des frissons. Mais c'est vrai qu'il y a d'abord les marins. Et le monde de la mer, ce sont les hommes, non ? Oui, et puis ces fêtes, justement, on est là, on partage. Bon, tout à l'heure, en arrivant sur ce bateau, je ne savais même pas que le commandant, c'était un vieux copain à moi, qui commandait un autre bateau auparavant. Vu une précédente édition de Brest, ouais. Effectivement. Il était sur un autre bateau. Et on se retrouve... tous les 4 ans, tous ensemble, et ça, c'est bien. Ça vous fait plaisir que Brest soit un carrefour du monde comme ça ? Bah oui, parce que Brest, c'est quand même la pointe, une des pointes de l'Europe. C'est vrai, hein, c'est la pointe ouest. Le point d'entrée, c'est aussi la ville, une ville qui a... j'ai toujours rêvé, toujours vu Brest comme une ville d'audace et de mer. Et ça correspond parfaitement à mes rêves d'enfant et à mes aspirations. Et aujourd'hui, c'est pas un rêve d'enfant que vous réalisez en étant là sur le Göteborg, par exemple. Mais en voyant tous ces navires, c'est peut-être aussi quelques fantasmes et quelques vieux rêves qui défilent dans la tête, non ? Si. Ce sont des rêves d'enfance, parce que c'est les images que j'avais quand j'étais petit. Moi, quand j'étais... Je suis pas d'une famille de marins. Hein. Moi, je suis né au Maroc. Là, je suis content. En plus, les Marocains sont ici. Et c'est ils ont un beau village, c'est vrai. Un très beau village. Et le fait de se retrouver, de voir ces bateaux... ici, on est quand même sur une réplique... c'est pas une réplique, un bateau authentique et mythique. J'ai pu discuter avec son commandant. Ça me plairait bien un
un jour, moi, d'être commandant d'un bateau comme ça. On fait passer la petite annonce pour Charles Cléden, qui aimerait bien être commandant un jour d'un beau bateau comme ça. Je crois qu'il y aura des places, parce qu'effectivement, le patrimoine existe à nouveau. Il revit grâce, entre autres, à des fêtes comme celle de Brest, non ? Bien sûr, eh bien, il y a à la fois le patrimoine et puis il y a aussi la modernité. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Regardez la modernité, elle est juste derrière nous. Elle n'est pas belle, la modernité. Regardez, un trimaran qui vient de traverser la mer en moins de 5 jours, l'Atlantique en moins de 5 jours entre New York et Brest. C'est magnifique. C'est la première fois que je découvre les Tonnerres de Brest et je suis super contente d'être là sur mon beau bateau Savéole. Bon, c'est vrai que c'est un lieu de rencontre. Vous êtes venu en famille ? Oui, je suis venue en famille, on n'a pas vraiment fait exprès, mais je croise le joli bateau de mes parents, qui est en fait la maison de mes parents. Le Ninita. Oui, le Ninita. Et mes parents, ils font la régate, les Tonnerres de Brest, parce que c'est un vrai classique en réplique d'un bateau de 1928. Alors, les parents, la famille Davis, avaient envie de venir à Brest, parce que Brest est connu même en Angleterre, je ne comprends pas. Oui, si, c'est connu même en Angleterre. Et mes parents ne sont pas les seuls Anglais ici. Là, on croise plein des beaux bateaux anglais de plein d'époques différentes. Donc, c'est sympa de saluer les Anglais. Bon, Samantha, c'est vrai que le public français vous adore. C'est vrai que vous faites partie, j'allais dire, de la famille des navigateurs et qu'on aime bien sur le littoral français et même beaucoup plus loin, bien au-delà des estuaires, dans les terres, oui. On aime de façon générale les gens qui prennent la mer et qui prennent ce risque. Dites-moi, dans le passé, on a toujours parlé d'une guerre franco-britannique sur l'eau et on dirait même que ça continuerait de temps en temps sur les courses. C'est vrai ? Non. Bah oui, c'est vrai. Là, c'est sûr. Et en plus, les courses comme le Vendée Globe, c'est un peu les Français qui sont les plus forts en ce moment. Et là, je suis en train d'essayer de changer ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas gagné. La France est toujours en course très forte. Et c'est pour ça que je suis venue m'installer ici en Bretagne pour essayer de m'améliorer. C'est vrai que les Anglaises nous ont offert de belles surprises sur le Vendée Globe et sur d'autres courses. Samantha, c'est la prochaine course que vous préparez. Oui. Que disent les Anglais à propos des marins français ? Les Anglais ont beaucoup de respect pour les marins français. Et ils voient bien que... ils sont très forts, surtout à la course à large en solitaire, mais Foncamas et son équipage sur Groupama, ils viennent de gagner une course qui est plutôt anglo-saxonne, donc là c'est vraiment les Français qui sont très forts en ce moment. Et c'est parce que je vous disais tout à l'heure, la mer en fait c'est le passé, mais c'est aussi l'avenir, c'est aussi le présent, avec effectivement des noms de skippers. On évoque les grands marins qui font partie du patrimoine mondial, la découverte des mers dans les siècles passés, et puis il y a ces marins, ces skippers dont fait partie Samantha Davis. Est-ce que Douarnenez c'est une suite à Brest ou c'est autre chose? C'est complémentaire. Ouais, c'est bien dit. C'est complémentaire, c'est autre chose, c'est pas du tout le même environnement, le même port. La même histoire, donc c'est pas forcément toujours les mêmes bateaux qu'on accueille. Brest est plus maintenant sur les grands voiliers. Nous accueillons une flottille de bateaux de toutes les tailles, avec un peu moins de grands voiliers, mais quelques unités symboliques. Ouais. Le Belém, l'Étoile du Roi, le Earl of Pembroke, l'Oystershield. On essaie, nous, surtout de mettre en scène les bateaux dans le port, l'ancien port sardinier, en fait, de Douarnenez, le port du Rosmeur, et de faire de cette présence des bateaux un spectacle, d'ajouter voilà, la féerie et de la poésie dans le port. Comme si le passé avait un bel avenir. Oui, bien sûr, par le contraste, justement, à la fois entre les bateaux et l'artistique, les spectacles, et entre le patrimoine maritime et les bateaux contemporains, puisqu'on a aussi des représentants de bateaux de pêche, votre nom autour du monde aussi avec Bertrand de Broc. On a quelques représentants du monde de la mer d'aujourd'hui. Merci en tous les cas à tous les deux d'être venus nous rejoindre pour la conclusion de cette si belle retransmission de la parade de cette émission consacrée au Tonnerre de Brest 2012. Merci à tous les deux d'être venus sur le Göteborg autour du Cabestan. Je tiens à remercier quand même la Marine nationale qui nous a beaucoup aidés, ainsi que tous les gens de mer qui ont participé à la fabrication, la mise en œuvre de cette si belle soirée. Merci à Sylvie, merci à Gervan, merci à tous d'être restés fidèles à France 3, à la mer et aux marins. À très vite, très belle soirée. N'oubliez pas le soir 3 pour les infos et puis notre site internet France3Brest2012.fr. À bientôt.